nous avons repris l'exploitation, parce que je suis installée avec ma sœur, donc l'exploitation familiale, depuis trois générations. Mon grand-père avait déjà l'exploitation et elle était surtout tournée vers l'élevage et on a grandi en plantant de la vigne. Il y a plus de rigueur et le travail manuel, je pense, nous fait moins peur que pour un homme. C'est quand j'étais petite, j'avais un oncle, ce qu'ils appelaient Célestin, et donc on faisait les vendanges en famille. Et pour nous motiver, parce que des fois on n'avait pas envie de vendanger, on mettait un caillou quand on avait le seau plein dans la poche. Et à la fin de la journée, on comptait le nombre de cailloux et on avait la récompense à la fin de la journée. Et voilà, je fais un hommage à mon oncle. Le chardonnay, j'ai une parcelle en sélection qui a 36 ans. Et d'année en année, donc on les feuille, on le laisse mûrir, bien mûrir. Et franchement, une fois qu'il est bien doré, le chardonnay est très typé, il est très bon.